On est de retour sur PS5, mais cette fois avec une petite variante. Regardez bien, on va y jouer clavier-souris. Vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo, tout simplement parce qu'apparemment, il y a une genre de latence sur PS5 comparé au PC. Selon vous, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo où je vais tester, comme ça, à la fin, vous aurez mon vrai avis. J'espère que ça va vous plaire. Juste avant, pensez bien comme d'habitude au petit pouce bleu, mais surtout à l'abonnement. On est aux portes des 900K maintenant, donc je compte sur vous. Abonnez-vous. Sur ce, on part en créatif pour tester tout ça. On est dans le hub. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Fortnite ont tout décoré pour Halloween, et honnêtement les graphismes sur console c'est toujours une dinguerie, je kiffe. Et le tri de justice, on va aller dedans. Alors le premier test qu'on va faire, c'est au niveau des construits surtout. Comment ça se passe? Ok. Attendez, bah là c'est fluide. Là j'ai pas eu de problème. Est-ce qu'au niveau des élites c'est réactif? Ok. Il y a une mini latence, mais en vrai ça va. Non, pour l'instant je suis satisfait. Au niveau des mouvements de la souris, ouais, ça a l'air d'aller aussi. Bon, on va tester un vrai solo build pour voir ce que ça donne. Après je me dis peut-être qu'en créatif c'est bien, mais qu'en game ça bug. En tous les cas, on va partir en arène juste après. Oh là là, mais j'enchaîne bien. Attendez, mais c'est incroyable par contre. C'est incroyable mec. C'est tellement satisfaisant je trouve. Hop, on retourne, bam bam. Ici on remonte. Double élite pour redescendre, on retourne escalier. Non mais franchement, hey, comment ça vous m'avez dit qu'il y a une latence? Alors c'est vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais je m'attendais à quelque chose de vachement pire. Je pense qu'ils ont dû bien améliorer comparé à la PS4 quand même. Et bien pour le solo build, pour l'instant c'est validé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude tester les extens. Est-ce qu'on peut en faire des belles? Eh, honnêtement, regardez, ça se passe bien aussi. Eh bien c'est une excellente surprise. Si je devais mettre une note, ça serait 9,5/10. Maintenant on passe au plus intéressant, c'est à dire la game. Monteur, il est partout, merci bien. Eh d'ailleurs Gio, comment tu vas toi? Je t'ai pas demandé aujourd'hui. Eh ben ça va super, et toi? Ah merde, il peut pas me répondre. T'es con quoi. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai passé une excellente journée, mais maintenant que je suis en train de monter ta vidéo, un petit peu moins. Ok, tant mieux, je suis content. Pour cette première game, regardez où j'ai mis le point. On va aller à Grazy Groove. Oh, il y a un ZZ dans la feed, coucou. Bon les ennemis, je vous le dis, le tacos là c'est le mien. J'ai un pompe. Je vais aller dans la maison ici, il y aura plus de stuff. Allez, pitié, donnez-moi du shield et une PM. Ok, c'est pas trop ce que j'ai demandé, mais pourquoi j'ai que des kits de soins? Allez, dans la niche de Martial, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas fou. On va le claquer direct. Hop, on a un coffre ici. Allez, des mini. Ok, des splash, ça me va. Y'a un mec qui arrive. Aïe. Ah, je me tape la grosse. Ah, mais tu vas la fermer ta gueule! Ah, mais c'est pas croyable! No. 36 blancs. Tu dégages! Et il est mort. En plus de ça, il me donne une AR. Bon bah il a bien complété mon stuff. Il y a encore un bonhomme. Faut que je me barre. C'est bon, on va se boxer. Vas-y, si tu veux qu'on se batte, bah, c'est toi qui viens à moi. Attendez, je vais faire ma danse de loser pour l'attirer. Genre ça lui donne pas envie de venir. Non. Hop. Et il est mort. Il avait mis le truc de chrome pour entrer. Je l'ai pré-shot, je l'ai dépop. T'as pas été très intelligent toi mon gars quand même. Je pense que c'était un DDFR vu son QI. Alors ici je peux acheter une PM en or, je la prends direct. J'aime trop ce système de coffre. Bon, et bien pour l'instant ça se passe plutôt bien. La latence est très légère, on peut clairement jouer avec. De plus si vous jouez sur PS5 depuis longtemps, je pense qu'en vrai vous adaptez assez vite. Si vraiment je devais trouver la petite bête et le truc à modifier, il m'a laser. Du coup si je devais trouver un truc désagréable, ce serait regarder dans les menus. C'est super lent car on peut pas changer les DPI de la souris sur console. Ça c'est vraiment dommage, mais bon, ça reste un détail en vrai. 26 une fois, dommage. Le problème c'est que j'ai pas énormément de shield. Regardez, il va avoir mon skin Bambi, ça va peut-être lui donner envie de se battre. Nope. Non, j'ai raté ma balle. Nope. Non, j'ai encore raté. Oh, damn. 85. Et il est mort, parfait, j'avais plus de maths. J'ai quand même eu ultra chaud hein. Bref, troisième kill validé, on se rapproche petit à petit des 1000 points. C'est l'objectif de cette vidéo. C'est quoi ça, fusil rafale évochrome? Ah oui. Non, en vrai je préfère quand même le hammer blanc. Là, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de 1, trouver du reshield. Et de 2, farm, j'ai rien. Si un mec me push, je peux pas poser beaucoup de murs. Pendant que je farm, je peux vous remercier pour une chose. C'est tout simplement le soutien qu'il y a eu par rapport à la vidéo Choisis le bon cadeau. Alors c'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues, mais c'est celle où il y a eu le plus de retours positifs à travers les likes et les commentaires. Vous avez été très nombreux à la kiffer et ça m'a touché énormément. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. Ça m'a coûté énormément d'argent, que ce soit la conception de la map ou même au niveau de la production de la vidéo. Et voir plein de retours positifs comme ça, j'ai kiffé. Si vous voulez un petit leak, sachez qu'un épisode 2 est en cours de préparation et ce sera avec des cadeaux encore plus gros pour Noël. Mais si vous voulez pas rater la vidéo, bah pensez bien à vous abonner. Je suis quand même un gros gratteur hein. Il y a eu pas mal de construits ici, je sais pas s'il y a encore du monde. Il y a moyen que ce soit déjà barré. Vous savez quoi, on met le pad, on va prendre un peu de hauteur. Eh bien, il y a personne. Dommage. Eh, d'ailleurs, le monteur, j'ai un petit examen pour toi. Comment ça, mon ref? Ah oui, la rentrée des classes est arrivée. Tu vas avoir une série d'épreuves que tu vas devoir réaliser le mieux possible, ok? Applique-toi bien. Alors déjà, je veux que t'ajoutes une grosse potion. Ok, maintenant, tu la retournes. Ok, tu la remets à l'endroit et t'en ajoutes deux autres. Et maintenant, tu mets un grand cœur dedans. Voilà, montre-leur que tu les aimes. Voilà, le test est validé. D'ailleurs, à combien de pouces bleus tu tapes ta première grosse, le monteur? Parce que ça fait des années, t'en as toujours pas eu une. Les gars, je compte sur vous. J'espère qu'il a été raisonnable. On arrive à Loot Lake. Ici, c'est le cœur de la map. Ça m'étonnerait qu'il y ait personne quand même. Il y a plein de gens ici normalement. Ah, ça cache quelque chose. Peut-être là-bas. On va aller voir.
claqué au sol. Non, non. Je vais casser un truc. Les gars, je suis mort de chute, top 16, mais c'est quoi? Mais je suis un loser. Je pensais qu'il y avait de l'eau en dessous de moi. Oh là 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 là. Eh, vas-y, on repart en game direct. Hop, cette fois, on va à Fort Genesis. Là, je vous le dis, je vais en découdre. J'ai trop le seum. Faut que j'atterrisse sur une arme. Ok, j'ai été au pire endroit. Pitié, donnez-moi un truc. Ok, c'est bon. Un peu de shield, ça serait pas mal. Oh oh. On ingurgite la grosse potion. Un HP. Perfect. Mort. Il y en a un autre juste là. Touché. Un HP. Je mets un mur. Ok, on est dans la box. C'est bon, il est mort. Il y a peut-être du monde de l'autre côté, on va aller voir. Là, en vrai, je suis vraiment bien. Bon, ok, j'ai un stuff plan, mais j'ai toutes les armes qu'il me faut. Il est là. 44. 79. Ah. Il y a un autre mec. 31. Voilà, il est mort. Faut que je les fasse un par un. L'autre, je sais pas où il s'est barré. Ah, il est pas là. Oh, là-bas en face. Ah. Mais arrêtez de me shoot de loin. Ok, la première mini elle passe. La deuxième aussi. Tu veux pas me laisser tranquille toi? Il y a tellement de monde. Touché. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je tente de monter ou pas? Un HP. Non, j'ai raté ma balle. Ok, j'ai des fiches. Tac. C'est bon. C'est ultra hardcore. En plus, vu que je suis en arène, je tombe sur des gens de toutes les plateformes. Donc il se peut que je sois contre des fous furieux de genre PC. J'ai que 400 de maths. Ah, tu sais quoi? On tente de reprendre l'œil. C'est bon. 39. 37. Et il m'a chiton. Ah bon, on arrive à la troisième game. Celle-là, c'est la bonne. Regardez le ping. Pour cette Ultimate Runner game, on va faire un petit retour à Grassy Grove. Là-bas, ça se passe toujours plus ou moins bien. En vrai, ça me fait bizarre quand même d'avoir mon clavier et ma souris connectés à ma PS5. Pour ceux qui se posent la question, au niveau du clavier, c'est un Apex Pro TKL et la souris, c'est le nouvel Logitech. Je les ai connectés directement en USB dans ma console. J'ai pas acheté d'adaptateur ou quoi que ce soit. Je joue avec la méthode la plus simple. Hop, petite PM, ok. Un coffre. Nickel, on a un pad. J'ai un bon stuff, il me faut juste du shield. Non. Il a un HP. Hop, il est mort. Il y avait encore le deuxième joueur. Il est mort. Et il y en a encore un troisième. Je les craque. Oh non, il va se barrer. J'ai trop le seum. Je vais pas te lâcher, toi. Crois-moi que j'arrive. Ok, il est dans cette maison. Viens ici, mon petit chou à la crème. Les craque. Et il est mort. Parfait. Le spawn est clean. On s'en sort avec 3 kills. Je sais pas pourquoi je suis tant attaché à cette ville. L'avantage, c'est qu'on est en zone. Du coup, on pourra avancer tranquille à la recherche de nouveaux joueurs à fight. Pour l'instant, sur PS5, ça se passe plutôt bien. En fait, dites-vous que je m'attendais tellement à un truc hyper hardcore que là, je trouve ça easy. Comme je l'ai dit, oui, il y a une petite latence, mais elle est très faible. Et en vrai de vrai, ça reste jouable. Dans tous les cas, si jamais vous avez une console, peu importe la console, PS4, PS5, Xbox, si votre but c'est de jouer clavier-souris, bah, vous avez pas le choix, hein. Branchez-le et c'est parti. Parce que je sais que les PC, ça coûte super cher. Et parfois, bah, tu te retrouves à jouer clavier souris sur console parce que t'as pas d'autre solution, tout simplement. Il y a un mec à la station. Mon gars. Oh, il a le skin de yo-yo. Il a un HP. Il a aussi le niveau de yo-yo, apparemment. Hop, désolé Salami, t'es mort. Qu'est-ce qu'il nous propose ces petits coffres? Un pompe en or. Ah, oh, mais là je le prends direct. Ça c'est franchement une dinguerie. Je kiffe la joue. Très très bon système. En attendant le prochain fight, laissez-moi vous parler d'un truc dont j'ai jamais parlé sur YouTube. Récemment, j'ai eu mon premier accident de voiture. Alors c'est pas quelque chose de drôle, mais bon, je vous rassure directement, j'ai pas été blessé ni quoi que ce soit. Les dégâts sont juste matériels. Ma voiture par contre, elle est morte. Y a aucun doute là-dessus. Ça fait presque un mois qu'elle est au garage. Je la récupère demain. J'ai trop trop hâte. Si vous voulez un peu plus d'infos, eh bien en fait j'étais avec ma copine et Dizo, c'est un de mes potes qui est streamer. Je le ramenais simplement chez lui. Il habite à environ 40 minutes de chez moi. On se balade tranquille, on discute, pas de problème. Devant moi, vient un stop. Et qu'est-ce que je fais vu que je respecte toujours le code de la route? Eh bien, je m'arrête. Et le problème, c'est que le mec derrière moi, il était inattentif et il s'est pas arrêté. Du coup, il m'a foncé dedans. Ça a été quand même un assez gros choc. Ma voiture était totalement cassée. J'étais pas en tort, donc dans tous les cas, c'est son assurance qui va payer. Moi, c'est plutôt que des dégâts matériels. Dans tous les cas, tant que moi je vais bien, que ma copine va bien, que Dizo va bien, c'est le principal. L'autre conducteur n'avait rien non plus. Ça fait quand même chier parce que c'est des pertes de temps. Et tout, faut aller au garage, faire plein de papiers. Mais c'était ma première expérience de cassage de voiture, on va dire. J'aurais préféré ne jamais en connaître, mais bon. Voilà pour la petite anecdote. Et lui, il a l'air déter. 118. Et il est mort. Il a mangé un de ses cônes. Oh là là, mais quel stuff de ouf il avait lui aussi. Hop, je lui prends ça. Et le reste, je le cache. Nous avons officiellement 5 kilos compteur. En vrai, ça fait trop plaisir parce que quand j'avais testé le jeu sur PS5 à la manette, bah vu que je suis nul, j'ai galéré. Là, je peux en vrai de vrai découvrir les performances de la console. Le gros avantage, c'est que regardez, les FPS sont assez stables hein, quand même. Je reste vers les 120 et tout, c'est trop trop cool. Oh, il y a un mec là. Oh, comment il a l'air perdu. Non, mais c'est pas possible. Regardez, il a mis un pad. Mais allô. Mais respecte-moi, je suis en train de te tirer dessus.
Oh, il faisait aucun effort celui-là. Oh là là, les aider faire, ça commence à bien faire. Hein. Il y a un mec là-dedans, il est dans le garage. Il est peut-être en train de réparer ma voiture. Hein. Oh, il a pas de shield. Alors là, touché 32 encore. Plante dans la box. Ah. Attendez, il m'a mis une dinguerie là. Absolument que je me heal. C'est bon, je me suis soigné. Vas-y, viens te battre toi maintenant. J'ai raté ma balle. Salut. Tu médites? Merci. Et là, il est mort. Let's go. 7ème kill. Attendez, mais il avait des grosses potes. Pourquoi il les a pas bu? Le monteur, toi, quand tu trouves une grosse, tu la bois ou pas? Non. Ah bah, c'était peut-être ton cousin. Ça se bagarre là-bas. Oh, dommage. Non. Vous savez quoi, on va y aller. Pendant que je cours, est-ce que ce serait pas le moment pour vous de vous abonner à la chaîne? On est aux portes des 900 000, donc je compte sur vous. Passez le pas. Ok, je me boxe. On va l'attendre. En fait, regardez, là, j'ai un skin Bambi. Je me dis peut-être que je vais attirer les joueurs et que c'est pour ça que je vais faire plein de kills. Ils vont se dire, oh, un gros bot et tout. Et puis bam, cassage de gueule. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. 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 Oh là là, il est mort. Attends-moi. Hop, je l'empêche de se heal. J'ai mis un truc dans sa box. 84. Il a un HP. Vas-y, meurs. C'est trop dur de reprendre un mur sur console. Ah, j'ai raté ma balle. Regardez, on est tous les deux en train de se heal. Regardez, il est là. Salut. Il s'y attendait pas, let's go. Lui aussi, il avait un excellent stuff à prendre le snipe en or. Non, je préfère largement le levier comparé à l'Evochrome. Ok, eh bien c'est bon. En plus, il m'a remis full mat. Quel frère. Est-ce que ce serait pas le moment de répondre à la première question du jour? Ce sera d'ailleurs la seule de cette vidéo parce que j'en ai plus, donc posez-moi des questions en commentaire. Elle nous vient de Gabriel. Est-ce que tu pourrais faire des live Fortnite avec Zedfar? Alors oui, j'en ai déjà parlé avec lui en vidéo sur sa chaîne. Moi, ce que j'aimerais bien faire avec lui, ça serait des soirées live ensemble. On organiserait ça par exemple une fois par semaine. On streamerait tous les deux pour qu'il y ait tous les deux notre pov. On pourrait faire genre, je sais pas, tous les samedis, une soirée de 2-3 heures ensemble où on fait par exemple des jeux sur Fortnite ou alors on joue à Fall Guys, à GTA, bref, on pourrait faire plein de contenu que ce soit sur Fortnite ou sur d'autres jeux, ça pourrait être cool. En plus de ça, on pourrait après faire des best-of des lives pour les mettre en vidéo. C'est une idée que j'ai depuis pas mal de temps, ça demanderait pas mal d'investissement au niveau de l'organisation de tout ça. Donc si jamais ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire, on verra pour organiser ça. Mais bon, honnêtement, ça dépend que de vous, mais je pense que ça pourrait être une super bonne idée. Il y a un mec boxé là-bas. Alors là, s'il se boxe à cette zone, je peux vous dire que c'est un gros noob. Il tient sur une rampe, il est au courant ou pas? Regardez, je casse ça, il tombe. Ah, il y avait personne en fait. Ok, je comprends mieux. Nouveau lieu, Chrome Jam Junction. Toujours plus compliqué les blazes. Hein. Je pense que c'est un stagiaire qui l'a fait. Où est-ce qu'il y a du monde? Alors par là, ça m'étonnerait. Pour moi, ça serait plus de l'autre côté, genre vers le gros nounours. On prend le flux d'air, on est parti. Je vois personne, c'est un truc de ouf. Ah, j'ai entendu tirer. Je crois que c'est par là dans la bamboche. Ah non. Mais il se fight tout, bordel. Ah, il est là. No. Touché 27. Non, mais faut que j'aille en zone en fait. Ah. Là, je me suis mis dans une situation embarrassante parce que je suis en contrebas et en plus ça, j'ai pas la zone. Hop là. 90. Ah, 110, il a un HP. Faut que je me heal. Le problème, c'est que j'ai plus de shield. Lui, regardez, il a plein de splash. Oh là là, c'est la merde. Un HP. Non, il m'a tué. Top 7 malheureusement. Aïe aïe aïe. Bon, et bien on retourne au lobby. La vidéo est malheureusement terminée. On aura fait les 3 games comme prévu. Pas de top 1, mais pourquoi pas refaire une vidéo clavier souris sur P5 où cette fois notre but sera vraiment d'avoir la victoire. Vous savez quoi? Épisode 2 à 15 000 pouces bleus. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.